Salutations à toi. Ah, mais c'est pas le masque cheaté qu'on a avec tous les masques à la fin, le dernier. Oui. Exactement. Je pensais pas qu'une roulade, ça pouvait pousser à la porte. Alors. Sérieux, il nous donne pas plus que ça? Bah comment on est censé savoir ce qu'il faut faire après? Y a rien de plus? Bah merde. En vrai, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire. Bah je veux bien ne pas lire la soluce, mais bah vas-y, je fais quoi? Super, on va où? On fait comment? Ah, le vendeur de masques peut-être? Bah non, il va rien nous dire, lui, il veut juste le Majora's Mask, il s'en tape du reste. Ce masque, c'est le masque des amoureux. Ah! C'est un très beau masque, il rayonne de joie et d'amour. Tu as bien travaillé, tu as affronté de nombreuses épreuves, n'est-ce pas? Continue comme ça, je compte sur toi pour récupérer mon masque. Bah. Là, j'ai aucune idée de ce qu'il faut faire, clairement. Bah, je veux bien ne pas me faire spoil, mais bon, bah, je vais où? Je fais quoi? Ah, peut-être que je vais aller voir la dame! Vu qu'on est le premier jour, je vais lui montrer un masque d'amoureux, peut-être kiffer en mode. Oh, il se tient ton masque. On attend 8 heures? Alors, en vrai, moi je vais lire la première ligne de la soluce parce que je vais pas faire le tour du jeu pour trouver ce qu'il faut faire en fait. Ça va me saouler. Alors, on peut parler à tout le monde, mais. Ah, je sais plus ce qu'il a... J'ai pas vu ce qu'il a dit. On refait le jeu comme au début? Qu'est-ce qu'il fallait faire au début du jeu? On était en Mojo. Ouais, et on va faire comme si on était un Mojo. Et du coup, on peut pas enlever le masque Mojo. Du coup, qu'est-ce qu'on avait fait pour pouvoir l'enlever? Ah, d'accord, il faudrait peut-être aller voir... Mais non, mais... Bah non, je me filais des... J'ai pas envie de faire tout le tour du jeu pour savoir ce qu'il faut faire, en fait. Je veux bien que tu me donnes... Tu me dises là, au moins où aller, quoi. Je préfère que ce soit vous plutôt que la soluce, mais donnez pas grand chose. Donnez des petits, au moins, par où faudrait aller, quoi, ou je sais pas. Ouais. C'est pas un masque comme les autres. Bon, super indice. À partir de là, c'est bon, j'ai trouvé la solution. Ah, c'est pas un masque comme les autres, donc je sais où aller. Bah... D'accord, bon bah c'est bon, du coup on revient dans le passé. On recommence encore. Bon, super, on recommence. Hop. Plein écran. Ok, let's go. Let's go. Ah merde, c'est par là. Ah merde, il faut faire la quête de ça. Ah merde, j'avais oublié ce truc-là. Y a pas moyen de monter? Attends, en une minute, on fait jamais la quête, si? On a le temps de la faire en une minute? On teste? On teste. On est des PGM. Je sais plus où c'est par là. Vous pensez en une minute ça passe? On est trop fort. Ah, on peut ralentir le temps peut-être. Il est déjà ralenti, non? Il est déjà ralenti, je crois. Donc on va là-bas. Le code. Le code secret. Alors, j'ai une vieille tâche sur mon. J'ai une vieille tâche, j'arrive pas à voir le code. C'est 3, 5, 2, 1. Attends, non. Merde. J'en veux un aussi. Alors, enlève ça, enlève ça, enlève ça. Après, c'est 3.
5, 2, 1. Donc c'est... 4, 3, 5, 2, 1. Non. Le code, c'est... Ah non, c'est 3, 4, 5, 2, 1. Sauf que c'est 3, 4, 5, 2, 1. C'est bon. Secondes. Vingt secondes. 19. Ça va être chaud. Hein. Je pense qu'on peut le faire si on galère moins. Ok. Avec moins de galère, on y arrive en vrai. Là, je vais pas y arriver à deux secondes près. On va voir ce que c'est que la mort déjà. On va voir la cinématique de mort. Et après, on le fait en réussissant parce qu'on est trop fort. Parce que les 10 secondes là, c'est mort. Hein. Ok, on va à bourg-clocher, oui. C'est marrant, parce qu'elle a 10 secondes. Je pense qu'on arrive à récupérer le droit de voler. On peut faire le saut mojo et c'est tout. On va juste pouvoir faire le saut mojo et on va perdre. Mais peut-être à la seconde près, on y arrive en vrai. 10, 9, 8, 7. Arrête, il est où? Parfait. Masque, masque, masque. Putain, je perds trop de temps. De la merde. À 3 secondes près. Mais en étant Link humain, t'as pas, tu peux pas. Et ben on va partir du principe que vous m'avez pas spoil et du coup on va le refaire. On va le refaire et on va y arriver. Parce que je trouve ça beaucoup plus marrant de faire la course pour le faire plutôt que de y aller en humain normalement. Du coup, vous m'avez pas spoil, j'ai pas vu vos messages, j'ai même supprimé tous les messages que j'ai vus comme ça. Et ça va très très bien se passer, on va le refaire. Hop. On va time out Taya pendant une seconde. Hop là, on va faire pareil pour le message de Alicia. Et hop, comme ça j'ai rien vu et on le fait tranquille. Ah non, il y a Varkay aussi. Voilà. @Varkay. Et c'est bon. Comme ça, vous m'avez rien dit. On va le refaire. On va aller très très vite et ça va très très bien se passer. Et on va le faire en mojo. Si vous voulez reprendre la partie... Ah bah là, j'ai pas vu la cinématique. On est mort ? On est mort. On est juste mort. Jeune garçon, tu es confronté à une terrible destinée, n'est-ce pas ? Oui. On recommence. Ça va très très bien se passer. Comment vont tes affaires ? Ça a pas rechargé la sauvegarde ? Pourquoi on est là ? Sûr que le masque de Majora, je te fais confiance. Mais le temps passe, nous discutons, il ne nous reste que 72 heures. Mm-mm. D'accord. Et bah on va recharger. Hop là. Voir plein écran. Super. J'attends que ça charge et c'est reparti. Bon, on a juste loupé une cinématique et la lune qui s'est écrasée, quoi. C'est juste ça, non? Clairement.
Rien de bien surprenant, quoi. On sait à peu près ce qu'on s'y attendait. Let's go. Là, on va speedrun. Let's go. On a une minute. Mets le masque. Cours. Cours, mon pote. C'est par où? Je vais pas dans le bon sens. C'est par là-bas. C'est même là-bas. Je sais même pas si je suis au bon endroit. Si, c'est là-bas. Go. Le code, c'est 3, 4, 5, 2, 1. On a une minute. On est large. Allez, go, go, go. Ah, j'ai oublié de mettre le temps en ralenti. Non, si, c'est bon, il est déjà ralenti. 54, 53. Allez, vite, 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 vite. Ah, là, on perd trop de temps, on perd trop de secondes. Dis, F, ça t'arrive parfois de dormir ou tu te prends dans tes streams ASMR un soir sur 3. Quoi? Oui, je dors. Allez, go, 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 on a perdu un peu de temps. Ok. Il est 30 secondes encore. 30 secondes, on est large. 31. Ok. Ok, ça c'est fait. Elle a juste une crotte de yeux. Paf. Allez, on y va. On va chercher. On va chercher. Le télescope, quand même, il vise vachement bien. Il est vachement précis. Go, go, go. On quitte, on quitte, on quitte, on se dépêche. Tais-toi, je m'en fous de ton histoire. Allez, allez, allez. Hop. On a tellement plus de temps. On a 14 secondes en plus que tout à l'heure. Non, je me suis trompé de champ. Fais pas ce champ là. Fais pas ce champ là. S'il te plaît, arrête. Non. On a perdu 2 secondes là-dessus. Super. Le vol. On a réussi à faire des fails. Champ de l'envol. Direction Bourg-Clocheil. Bah oui, on va y arriver. Tranquille, on va y arriver. Salut Xéphir, bienvenue à toi. Allez, on court. Je devrais pas faire des roulades, ça perd du temps. Allez, vite, vite, vite. On se met en mojo. Mojo, hop, 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 hop. Ok, l'arme de lune, c'est bon. On a combien de temps? On a large du temps là en fait. Voilà. Nickel. On a 15 secondes, on peut même prendre notre temps. On va pas prendre notre temps, on y va tranquille direct. On récupère un cœur ici, comme ça on est full life pour y aller. On en profite pour ouvrir l'inventaire des masques et placer le masque de celui-ci. Je me suis dit que ça pourrait être utile. Et on le keep. En mode on va apaiser sa mort avec le masque des amoureux. Ahem. Serette Taël. Marée, montagne, océan, vallée. Vite, les quatre qui sont là-bas, amène-les ici. Bleu, ne parle pas comme ça, stupide fée. Ok, ça suffit comme ça. Les choses ne vont pas se passer comme tu le crois. Waouh. Bon, bah en fait, même s'il venait maintenant, il ne pourrait plus rien faire. Hé hé. Regarde au-dessus de toi. Si tu penses que tu peux arrêter ce truc, alors vas-y, essaye. Ouh, ce cri. Qu'est-ce qui provoque ce cri? Qu'est-ce qu'il faut faire? On a 5 minutes. On va le... Je vais mettre le grappin dessus.
Non. On va utiliser la peste mojo. Peut-être. Non. On peut pas mettre la peste mojo. Pourquoi? Non, on peut pas. C'est quoi le délire? On peut pas utiliser de masque? Du coup, l'arc? L'arc de lumière. Peut-être. L'arc de lumière. On n'a pas de flèche. Il nous faut des flèches. On peut pas. On n'a pas de flèche. On n'a pas de flèche. Sérieux? Il faut de la magie. Comment on le magicianise? Magie. Qu'est-ce qu'on peut faire avec de la magie? Une noix mojo? Masque? On peut pas mettre de masque? Pourquoi on a le masque de Marie alors qu'on l'a pu équiper? Un bug, non? Je sais pas quoi faire. Comment on peut le shooter? On a rien. Cuvée Romani. Pour avoir une énergie magique inépuisable. D'accord. Et bah, on va faire ça. Ça sert à rien du coup. Ah, on a 4 bouteilles maintenant. Super. Mais je sais pas s'il y en a 5 ou 4. Du coup, je sais pas quoi faire. Ça change pas grand chose. On n'a pas le pouvoir de le niquer. Hein. Il nous faudrait des flèches en fait. Flèches de lumière, non? On peut pas utiliser les masques. Ah, c'est forcément des flèches de lumière là. Inventaire. Flèche, ça on en a plus. L'épée, on peut pas taper avec. Les flèches, on n'a pas. Ça là. Il faut mettre les masques quelque part, elle a pas dit ça. On a perdu. Ce qu'il faut faire. Les masques ils fonctionnent pas, du coup on va pas utiliser de masque. Inventaire, ça marche pas, ça on a pas. On peut pas taper, c'est trop loin. Ça c'est le grappin, ça marche pas. Ça on a pas de flèche, ça non plus. Ça sert à rien. Ça non plus. Bah là techniquement, qu'est-ce qui reste? Quête. Titre de terre, donc ça on l'a, ok. Bouclier miroir. Ah, bouclier miroir peut-être. Il n'y a pas de lumière. On peut pas lui parler en fait. Ah, l'appareil photo, peut-être on va le prendre en photo, il aime pas ça. Alors on va peut-être faire une musique. Le chant de l'apaisement. Bah je sais ce que j'ai fait la première fois, j'avais le masque mojo et je lui ai envoyé une bulle. Mais j'ai pas le masque mojo, je peux pas le mettre. On va faire des chants. Hein. On revient dans le temps. Qu'est-ce qu'on peut lui faire? On va l'éveiller. Qu'est-ce qu'on peut lui faire d'autre? Il dort pas. On peut l'apaiser. On va appeler Epona. Peut-être qu'elle va venir nous aider. Epona, s'il te plaît, viens. Je la déteste en plus, Epona. Ah bah là, elle vient jamais quand il faut, celle-là. On pourrait faire quoi d'autre? Chant de l'envol? On se barre? Les notes ont résonné plus loin, mais rien ne s'est produit. Ok.
Chant des tempêtes, on va lui mettre une tempête dans la gueule. Il aime pas le vent là. Ça va le faire chier le vent. Il devrait tomber avec un vent comme ça. Du con va. Le réveil on l'a fait. On va faire une berceuse, on va l'endormir. Forcément il va s'endormir. Bonne nuit Horizon, bonne nuit à toi. Non. Bon, on peut pas l'endormir, super, pratique. Ensuite, on va lui faire des trucs pour le noyer. On va le noyer dans le ciel. Attendez. On peut pas le noyer. Bon, on va faire tous les machins. Hein. S'il y en a un qui... Si ça marche pas, après j'ai plus d'idées, hein. Clairement. On va lui mettre dans le vide. Le champ du vide. Alors mon pote, qu'est-ce que t'as contre le vide? Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Les notes vous ont résonné loin, mais oh, il s'est rien passé. Super. Ensuite. L'autre de l'appel. Y, L. On va l'appeler. Eh oh, je suis là. Allô? C'est l'autre du téléphone. Waouh. Il fallait faire l'autre de l'appel. Super. Évidence. Évidence même. Alors qu'est-ce qui se passe? Il tremble. On appelle qui en fait? On voulait appeler Epona mais au final on a appelé je sais pas qui. La lune. Et qui m'appelle? C'est son téléphone qui sonne là. Ah mais c'est les 4 mages qu'on a sauvés, non? Ils sont où les 4 mages? On a eu 4 trucs invisibles. Et ce qui m'embête, c'est qu'on était censé choper un autre masque avant de faire ça, non? Waouh. Squelette boy. Les hommes en slip. Alors. Goron. Zora. En face des Gorons, c'est les Zora, non? Non, c'est pas Zora là, c'est le truc des glaces. Bah non, c'est les Gorons. Waouh. Alors... Ils ont retenu la lune. Quel style. Ils sont forts. Ils sont très très forts. Ça s'est arrêté. Oui, ça tremble plus du coup. On a réussi, ça s'est arrêté. GG. Sorette. Tel. Bien, nous y sommes arrivés à temps. L'appel des géants a marché sur Skull Kid. Et Skull Kid, tu te rends compte de ce que tu as fait à tout le monde? Attends, Sorette, ne sois pas si dur avec Skull Kid. Tel, pourquoi le protèges-tu? Tu ne lui en veux pas après tout ce qu'il t'a fait? Il se sentait si seul, il n'a pas d'amis, Skull Kid. Ah ouais, il n'a pas d'amis, et ben c'est pas une raison pour raser la terre entière, on peut pas tolérer ça, aussi triste qu'il soit. La puissance de ce masque lui a donné des pouvoirs trop grands pour lui. Il a fait des bêtises, et c'est pas exprès. C'est parce qu'il ne sait pas rester à sa place. Non seulement il est faible et dénué de courage, mais en plus il est stupide. C'est certain, il n'avait pas les capacités pour contrôler mes pouvoirs. Ouais, je suis d'accord. Allez, admets que tu es stupide. Hein? Ok, le masque le contrôle. À 100% là. Ouh, la petite danse.
Une marionnette qui ne sert plus est bonne à jeter aux ordures. Le rôle de ce pantin est terminé. On va crever en vrai. C'est pas possible. Alors cette lune... Mais c'est une lune de sang. Waouh. Oh. Et nous, c'est ce qu'on veut, le Majora's Mask. On va le récupérer, mon pote. Je vais brûler, tout brûler, brûler la moindre parcelle de vie de ce monde. Elle est vraiment pas sympa, la lune. C'est vraiment une lune pas gentille. Waouh, ça devient dangereux, là. Retournons en arrière, vite, le chant du temps. Vite, joue le chant du temps. Arc, non, tu plaisantes, ne me dis pas que tu veux entrer là-dedans. Mais je veux pas, je reste ici avec Taël, tu y vas tout seul. Waouh, moi j'y vais. Ah, on change de fée du coup? Quoi? Mais tu délires Taël, ça tourne pas rond dans ta tête. Je suis pas un lâche. Si seulement j'avais eu plus de volonté avec Skull Kid. Allez Taïa, tu viens? Allez! Allez, viens, je comprends mon frère, j'y vais aussi, yes! Après tout ce temps, Taël, tu es devenu têtu. Tu me rappelles quelqu'un que je connais bien, dans le genre à s'habiller en vert. Vous savez que vous êtes vraiment fous tous les deux. Let's go to the fight. Je sens qu'on va crever. Ah, peut-être pas maintenant. Je sens qu'on va pas crever pour l'instant. Alors là, on est dans la lune du coup. C'est beau. C'est stylé. Alors, y a-t-il des choses? Ah, on peut s'habiller avec tous les masques qu'on veut. Oh. Y a des enfants. Ah, beau temps, n'est-ce pas? Des masques, tu en as plein toi aussi. Tu veux être un vendeur de masques? Tu veux jouer avec... Je veux jouer avec toi. Tes masques, donne-moi. On va lui en donner... Je sais pas. Genre, lui. Plus. Merci, tu es gentil, n'est-ce pas? On va jouer à cache-cache. Très bien, je me cache. Ouh. Je sais pas ce qu'on lui a filé comme masque, j'ai pas regardé. J'espère que c'était pas des masques utiles. C'est PV pour quoi ça? On va par là. La musique. Elle est trop bien la musique. Merde. Ah, faut être un goron. Je suis bête. Suis-je bête? J'ai oublié tous les concepts de base du jeu. Pas de flèche. Là en fait on était censé aller tout droit. Du coup j'ai plus assez de vitesse pour le refaire. Oh, on revient au début c'est ça? Faut juste aller tout droit en gourou en fait. Bon ça c'est cool, au moins on a déjà la soluce. Oh, c'est pour l'énergie. D'accord, on est censé foncer en gourou. Let's go, on fonce. Ça va bien se passer. Bah merde, c'est mal foutu. C'est quoi ce délire? Mais sérieusement? Il faut faire comment? Ok. Non. Ok.
Non, il tombe pas. Ça va être drôle. Je sens que ça va être drôle. Oh. Non, ça va pas être drôle en fait, ça va me saouler. Ça va vite me saouler ce truc là. Cette histoire. Il y a une épreuve de Goron, il y a une épreuve d'autres trucs. Il y a une épreuve avec toutes les, tous les masques, je pense. Allez, tombe, tombe, tombe. Non, plus. Ouf. Ok. Super. On recommence. Bon, heureusement qu'on perd pas de vie. Hein. Sinon, ça serait chiant. Allez. 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 Putain ! On y retourne. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Ça va me gonfler. Non ! Ça va me saouler. Super. Allez, mais... Putain, je vais éclater ma manette. Je la force beaucoup trop fort dès que je meurs. Boing! Boing! Pour l'instant, j'ai encore de l'humour, mais je pense que je vais la perdre très rapidement. Il faut juste que je prenne du recul sur ce truc. C'est pas de la merde, c'est juste que je n'y arrive pas. C'est plutôt ça. C'est de la merde! Si c'est de la merde, ouais. Il y a des ponts au bout d'un moment. À partir du moment où il y a des ponts, j'arrête. J'arrête de rouler. On aille là-bas. Ok. Ah merde, on devient au début. Bon. Bon, non, on est obligé de le faire d'une traite. Super. Le kiff. Allez, go. C'est facile en fait. Faut juste dire ça. Si c'est facile, c'est facile. C'est juste qu'il tourne mal. Non mais la caméra, la caméra. Pff, ça va me gonfler. Comment est-ce qu'on peut arriver à y aller en diagonale là? Boing. Boing. La caméra est pas sympa en même temps. Boing. Oh, mais ça tourne pas, cette couillasse! Ça va bien se passer. Mais caméra, caméra! Oh, on a eu du bol. Mais putain. T'es pas obligé de maintenir le stick en avant? Et t'as rien besoin de faire en fait? Ok, bah à partir du moment où t'as compris ça, au final t'as compris le truc, hein. C'est facile.
Bon, c'est facile, mais je suis nul. Bon, heureusement, merci. Merci pour l'astuce, Peck. Tu nous as sauvé le jeu. Hein. Regarde, il n'y a besoin de rien faire au début. Déjà, je suis mort 40 fois au début, alors qu'il n'y a besoin de rien faire. Ok. Bah c'était juste pour ça? Non, sérieusement, il y a autre chose? Je suis pas venu juste pour un réceptacle, vous foutez pas de ma gueule? Non. C'est une blague? Non mais sérieux? Bon, attendez, on va aller là. Là-bas. C'est là-bas qu'il faut aller. C'est là-bas qu'il faut aller. Forcément, c'est là-bas. Oh, coucou toi. Ce masque, retire-le. Oh. Coucou. Tu m'as trouvé. Et je veux plus de masque. Plus de masque. Eh bah... tout lui filer hein. Plus les enfants masqués, vous avez joué à l'enfant masqué. Oui, je peux te poser une question, toi, qu'est-ce qui te rend joyeux? Je suppose que ce qui te rend heureux, c'est de rendre les gens heureux. Ouh, lourd de sens ça. Lui, on l'a déjà parlé du coup. Ah non. Beau temps, n'est-ce pas? Des masques, tu en as plein, toi aussi. Tu veux être un vendeur de masques? Bon, du masque, donne-moi. Plus. Plus. On va jouer à cache-cache. 3 x 4, 12. Non, on a donné 4. 3 ou 4. Je sais pas combien on a donné. Bon, c'est Zora, on a compris, hein. Ça sert à rien de nous le dire. Zora, c'est parti. Heureusement qu'on a le truc des manées infinies, hein. On a géré, enfin on a eu du bol. Ça aurait été trop chiant sinon. Ça va être chiant, je sens que ça va être chiant. À droite ou à gauche? À gauche. Faut suivre les poissons, non? On va suivre les poissons encore. Y'a pas de poisson ici là-bas. Ok. Encore les poissons. Ah mais putain, quel con. Bon, premier fail. Doot doot doot.
Ah merde, on recommence. Oh les bâtards. Bon, au moins ça paraît. Ouais, c'est des enfoirés. Ouf, j'ai du bol là-dessus. Let's go. Là c'est à droite je crois. On va passer à gauche puis à droite. Ok, c'est toujours pareil, tant mieux. Là faut que j'y arrive. Yes. On a nos follow de Tlenzo. Bienvenue Tlenzo, merci pour ton follow. Hop. Yes. Allez, là faut qu'on aille tout en haut. Et ensuite, on y arrive. On va pas y arriver comme d'hab. C'est de la merde. 40 ans pour recommencer à chaque fois alors que c'est facile. Ça m'énerve. Bon, ça va bien se passer, ça va très très bien se passer. Allez. Trois fois la même chose. On va encore refoirer à la fin parce que c'est nul. Allez, ici là. Et voilà, on a foiré bien avant. Et ben, nique ta race. Ça va me saouler. Ça me cave. C'est nul. C'est même pas marrant. Foiré dans Odyssée, là, sur le monde de l'eau. Sur le speedrun où faut faire un saut avec le truc trop chiant à la fin, là. Allez, fonce. Oh. Et hop, il a plus de vitesse. Alors. À gauche. À gauche. Bon, faut faire quoi? Faut avoir un timing parfait pour pouvoir y arriver. Je l'ai pas de ouf. Let's go. C'est raté, mais ça me fait chier. Salut Sexy Duck, comment vas-tu? Let's go. À gauche. Super, du fun en barre. Trop marrant, trop trop lol. Poisson de merde. Quel poisson est naze. Pourquoi ils nous mettent une cinématique à chaque fois pour allumer ces trucs super chiants? J'ai que ça à faire de regarder une cinématique à chaque fois. C'est chiant. C'est chiant. Allez, on se concentre, ça va très très bien se passer. C'est chiant parce que c'est tout simple en fait, il n'y a aucune difficulté. Faut juste remonter au bon moment. Et il me faut 40 ans pour trouver le bon moment.
Elle dure à peine 2 secondes. Elle est hyper relou la cinématique, elle dure 3 secondes. Moi j'en veux pas de cinématique, je veux pouvoir enchaîner tout ça à l'arrache. Ça fait 40 ans, 40 fois qu'on recommence. Allez, go, go, go. Non, mais non. Ouais, on a l'énergie limitée maintenant grâce à une potion. À gauche. À droite. Allez. Il y avait un truc qui passait, c'est la première fois que je le vois. Normalement on aurait pu se le prendre en vrai. Ok. Hop là. Ah non 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 non. Ok. Voilà. Alors. Au-dessus. Ça fait longtemps qu'on n'est pas venu ici en vrai. Bon, on va encore foirer hein, parce qu'on foire tout le temps. Ouf, super. Il en reste encore 15 étapes, c'est ça? Ou 220 000? On a fini. Ouf. Alors. Ce masque, retire-le. Je l'ai retiré. Voilà. Et au revoir. Écran tactile. Plus de masques. Ah oui, parce qu'il en prend 2 de plus après. Donc il en prend 3 plus 2, il en prend 5. On en a 20... On en a 22, c'est ça? 22. Il a dit, c'est fini là? Il voulait un masque spécial, non? Il n'y a pas un bruit chelou? Bon, le prochain, ça va être... allez, pile ou face, on dit le prochain, ce sera le... Attends, je me suis foiré, non? Le mojo? Alors... Lui, on l'a déjà vu, je crois. On peut lui reparler, non? Attends, on va voir hein, qu'on n'a pas déjà vu. Lui, là. On l'a déjà vu, lui, ou pas? Beau machin. Des masques, tu en as plein, toi aussi. Tu veux être vendeur de masques, tu veux jouer avec moi, donne-moi des masques. On a eu donné qu'un masque? Ça suffit? Oh. Bon. Peste mojo. Là. Bon. En vrai, si on prend notre temps, ça peut pas mal se passer, si? On va voir. Ça va forcément mal se passer, puisqu'il y a jamais rien qui se passe bien. Hein, c'est la base du jeu, c'est le concept. Oui, c'est vrai que les trucs bougent. On peut aller là-bas, là? Ah, dans l'autre monde, on n'a pas réussi à voir le réceptacle. Bon, c'est pas grave. Hein. On n'ira pas le rechercher, je crois. Oh, dommage. Il y a eu la petite animation en mode il est en train de remonter, mais ça n'a pas suffi. Oh, je suis mort. Non.
On ira revalider celui du Zora. Je sais plus quel masque c'était. Yes. Bon, on a presque fini. Ah non, à mon avis, il y a beaucoup plus long que ça. Là, on est qu'au début. J'imagine. Ah, c'était pas la route qu'il fallait prendre. Dommage. Zut. Bon, sur ce, je vous laisse. Salut Célestial, bonne nuit à toi. Tom. On va passer entre les arbres, vous pensez? Ah oui, d'accord, faut esquiver les arbres. Ça doit être un truc du genre. J'ai jamais joué à Skyward Sword. Hop. Oh, bon, on passe au-dessus? Bah, carrément, large. Ça intéresse de passer. Oui, ça passe large. C'est fini déjà? Oh bah, tranquille celui-ci. Alors, ce masque, retire-le. Oui, comme d'hab, à chaque fois je me fais avoir. Tu m'as trouvé et je veux plus de masques. Bah, prends celui-ci. Et merci, tu es gentil. Ok. Donc les auras, va falloir leur faire si j'ai bien compris. Bah, l'avantage, c'est cool, c'est qu'on n'avait pas récupéré le réceptacle. Puis-je te poser une question? Tes amis, c'est quoi comme genre? Je suppose ces gens pensent que tu es un ami? Non, c'est bon, on a réussi. Bon. Super. Il nous reste quoi comme masque, là? Il en reste plein? Faut qu'on fasse quoi? Ah, il est beau, n'est-ce pas, des masques, il y en a plein. Toi aussi, tu veux être vendeur de masques, tu veux jouer avec moi, donne-moi. Plus. Plus. Bah, d'accord, j'espère aussi que le remake sort en 2021 pour les 35 ans. Ouais, pour Skyward Sword, bah carrément. Parce que moi, j'y jouerai s'il y a le remake, je pense. On va jouer à cache-cache. Allez, cache-cache. Let's go to the cache-cache. Donc là, c'est quel masque qu'on va avoir besoin? Oh oh. Ok. On va taper là-dedans. Non, c'est pour avoir de l'énergie, ok. Bon, on va ouvrir ça. Du combat, super. Oh. Oh. Quick. Ah. Je suis noob. C'était pas le seul fight, c'est sûr, parce que s'il meurt en deux coups, c'est pas ouf. Ils sont où les autres? Ah, il va peut-être donner une astuce. On va peut-être l'utiliser. On a pas le masque de... On l'a déjà donné, le masque? Oui, c'est mort. Attends, peut-être qu'il va nous dire un truc. Ah, merde, j'aurais pas dû taper dedans. Bon, tant pis. J'ai l'impression que mon cœur est mis à nu, c'est très dérangeant. Super, bon, allez, on se barre. Oh, il a explosé. C'est fini déjà? Bon, tranquille. Oh, un coffre. On a le grappling. On l'a déjà. Reset tacle. Ils ont une drone. Des flèches? Ah, le prochain, il faut des flèches. Nickel. Thank you.
Naze. Il perd de la vie vraiment ou pas? C'est une hache vivante, écarte-toi de sa hache et attends une occasion pour contre-attaquer. D'accord. Ah merde, on peut pas... Ah. Bah merde. Quel noob. Oh, du coup on a pas sauvegardé, du coup on a tout perdu. Non, recommence que deux. Ok, ils sont sympas. On a que 3 cœurs. Oh les bâtards. Non, on est full cœur. Bon, on recommence. Ah bah non, il... Oh bah, y a pas besoin de les retuer. Oh, c'est sympa en vrai. Ils sont cool. Ils ont pas été très méchants là-dessus. Shooted. Bah c'est peut-être parce que c'est la version 3DS, elle est peut-être plus facile à 3DS, je sais pas. Hein. Les missiles teigneux. J'ai jamais utilisé au final les missiles teigneux. Si une fois, mais ça a jamais servi en fait. Ah merde, c'est pas ça que je voulais faire. Ah, me voilà bien embêté. Sérieux? Pourquoi je trouve pas? Alors attendez, qu'on réfléchisse deux secondes. On est censé aller là-haut. On peut pas. Pourquoi? Parce que c'est en haut. Super. Solution, grappin? Non. Solution quoi du coup? Voler? Arrête-toi! Pète-la, là! Bah, c'est de la merde! Pourquoi il pète pas? C'est là qu'il faut péter! Bah, je sais pas comment le... Ça marche comment, les missiles teigneux? Y'a pas un tuto? Une bombe surpuissante et autopropulsée capable d'escalader... Bah oui, mais... Et pète pas devant le truc, là! On peut le contrôler ou pas, le missile teigneux? Ah oui, on le place là, du coup. Thank you.
Putain, mais... C'est juste de la merde. Bah, du coup, on a perdu. Y'a plus de missile ténue. Comment on fait? On se recule? On a perdu? Vraiment là? Comment on fait? Comment on meurt? Comment on peut mourir? On peut pas mourir? Avec ça. Ça va durer longtemps en vrai. Un quart de cœur à chaque fois? Non. C'est la seule moyen de crever là? Oh non, mais on perd pas un quart de cœur par un quart de cœur. Comment on va faire? Le portail, mais ouais, mais si on reprend le portail, j'ai pas envie de refaire les autres monstres en fait. Je vais pas recommencer ça, en fait ça m'énerve. On va être obligé de tout refaire là? Parce qu'ils sont pas fichus de refiler des missiles ténueux? Quelle bande d'enfoirés. Bon bah... Et les missiles ténueux, je comprends pas en fait. Ils servent à rien dans tout le jeu. Pourquoi on en a besoin maintenant? On sait pas les utiliser parce qu'ils servent à rien. Et à la fin du jeu, bah là ils servent. Bon. On peut pas. Si on peut. Qu'on va tout... Bon, après refaire, ça va pas être si compliqué. On va se refaire éclater par la meuf du... Oh, quoique, on peut l'esquiver, la dame. C'est lequel qu'on voulait? C'est pas lui? Non, c'est pas lui. Je sais plus qui c'était. Lui, là? C'est lui. Joue à cache-cache, ok, je me cache. Voilà. On recommence. Ah, c'est, ils sont sympas. Y'a pas besoin de refaire du coup. Oh, tant mieux. Bah non, on n'a pas les missiles ténueux du coup. Bah on a perdu. Sérieux, on a vraiment... Bah non, mais c'est pas... Y'a une autre solution. C'est quoi ce délire? Genre on a perdu. Le jeu est mort. Non. Bah d'accord, t'as raison Samus, c'est de la merde. Fait quoi? On a perdu. Le jeu est fini. Super, vous avez perdu, game over. Y'a pas un cheat code là? Ça me saoule en vrai. Et je vais faire un cheat code, hein. On va pas... C'est mal foutu, c'est quoi cette connerie? Déboguer. Émulation. Code triche. Bah vas-y, code triche hein. Code triche, Majora's Mask, 3DS, attends, ils sont obligés de tricher pour jouer au jeu, c'est quoi ce délire? 64, 3DS, les astuces suivantes permettent de avancer le temps de 12. Eh ben on arrête de Unicornichon, bienvenue à toi Winnie, bienvenue à vous tous. En gros, attendez, bienvenue à vous, on arrive dans un moment pas ouf, vous arrivez pas au bon moment on va dire. Bah si vous arrivez au moment où on va tricher. On va tricher parce que... C'est de la merde. Clairement, alors là... Là... ce jeu... ce jeu... baisse énormément dans mon estime. Mais à 98%. Code triche... On va être obligé de tricher pour jouer normalement au jeu. Alors ça...
On va aller sur maxsheet.com pour avoir des... des espèces de bombes, je sais pas quoi là. Comment ça s'appelait déjà? Des chuchus? Non, c'est pas des bombes chuchus. Comment ça s'appelle en anglais? Des... Bienvenue à vous tous, hein, les raiders, je suis désolé, oui, je vous ai même pas bien accueilli, bienvenue à vous. Ça a été avec Unicorn Legion, c'était cool. Bienvenue à vous tous. Putain, vous arrivez au moment où... où je me rends compte que ce jeu est nul. Alors, attendez. Blue Potion, Green Potion, il nous faut un code cheat pour avoir des... des chuchus bombes. C'est écrit comment, des chuchus bombes peut-être? Des missiles ténueux. Infini de bombes chou. Donc... ajouter un code triche. Nouveau code triche. On va l'appeler chuchu. Les notes, le code. Le code, c'est... ça. Ok. On enregistre. Et on l'utilise. Et ça donne quoi? Inventaire. Ok. Bah, je suis désolé, on a dû tricher. Je désactive du coup le code. Code triche. Désactivé. Voilà. C'est bon, je l'ai mis juste pour une seconde parce que bah, ils ont pas prévu le cas où on n'arrive pas avec 10 chuchus à faire le truc. Donc faut faire ça, attendre assez longtemps et le poser. Bon. Salut, hello super canard, bah bonjour super canard. Bon, au moins on a fini par y arriver, tant mieux. Ah, un missile prêt, hein. Bon. Alors par contre c'est abusé, comment ils peuvent faire un truc comme ça, genre non après c'est mort, t'as perdu. Après je suis con d'en avoir gâché autant, mais attendez c'est quoi ce jeu. Bon, il y a sûrement un gros boss après. Elle ne s'ouvrira pas. D'accord, parce qu'on a triché. J'ai l'impression que mon cœur est mis à nu, c'est très dérangeant. Ah, il nous faudrait un masque de... ça. C'est sérieux ça? Elle va pas s'ouvrir? Bah... oh, bon. Alors... ah, ok. Bah heureusement, il en manquait deux, hein, des missiles ténus. Mais pourquoi on peut pas les péter à distance? Comment on est censé savoir? Ça va péter dans autant de temps. C'est bon là? J'ai aucune idée que si c'est bon ou pas. Bon bah si c'est bon. Faut une flèche de flamme. Petite flèche de flamme. Alors ça... salut, t'es dans la lune. Ouais, on est dans la lune. On jouait à Minecraft. MC, c'est Minecraft, non? Oui. Mais ce jeu m'a saoulé, MDR. Perdre 5 diamants en mourant dans la lave est la pire chose qui puisse arriver sur Terre. À côté de ça, mourir asphyxié par un pet de cornichon, c'est du rien du tout. Oh, on a fini! On a fini! Tu m'as trouvé! J'en veux plus de masques. Tiens, plus de masques. On va te donner celui du lapin. Non, le lapin, on garde. Tu prends celui-là. On a fini. Il nous en manque peut-être un. Le dernier, on le donne au Majora's Mask. Bon, au masque, au gamin qui a le masque de Majora ou pas? Juste te poser une question. Ton visage, ton vrai visage, il me semble. Je me demande, le visage sous ton masque, c'est ton vrai visage? C'est vrai qu'on avait un masque. Il a pas voulu l'enlever. On va refaire le Zora du coup? Alors, le Zora. Bref, je re plus tard. Ah bah, salut, Unicorn Legion. Merci encore pour le raid. Bienvenue à vous tous. Mais ils sont pas trop parlé, tes viewers. Si, il y a eu Zebrix qui est arrivé avec le raid, c'est ça? Le Zora. Est-ce que lui, c'est un Zora? Oui, c'est un poisson. Poisson qui dit poisson dit Zora. Joue à cache-cache, je me cache. Il faut qu'on aille dans les trous différents histoire de trouver
Ok. On va à droite, voir s'il y a un réceptacle de cœur. Et non, il n'y en a pas. J'ai l'impression que mon cœur est mis à nu, ce serait dérangeant. Bon bah, il n'y en a pas. Je sais pas où il est le réceptacle de cœur. Est-ce que quelqu'un peut me dire s'il y en a vraiment un ou pas? Que je fasse pas tout ça pour rien. Parce que là, il y aura trop de trucs à visiter. Salut Zelkis, comment vas-tu? Ça va, bah nickel. Alors c'est trop bien, Majora's Mask. Après, je t'avoue, là, je suis dans le niveau que je déteste le plus. Mais c'est quand même bien. Merci. Attends. Merde. Attends, on va relire ton message en vrai, histoire que tout le monde l'entende. Hop là. On relance, quand même. Et merci pour les 595 bits, hein. Je relance. Pour rembourser les missiles teigneux. Eh oui, ça permet de rembourser les missiles teigneux. Merci beaucoup pour les 95 bits pour les missiles teigneux. Ça me fait grandement plaisir. Et sache qu'on a dû tricher, du coup, pour les récupérer, ces missiles teigneux. On est gros tricheurs. Non, 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 c'est raté. Non, c'est bon. Du coup, bah on s'en fout du réceptacle en vrai. On s'en fout, je vais pas m'embêter à le faire pour... Oh. Un conseil, ne check pas Twitter actuellement. D'accord. Je viens de lire les news. D'accord. Et bah... Ok. Et bah je regarderai après. Ça me fait flipper ton truc. Alors, on grimpe. Et normalement, il y en a un pour faire simple. Attentat. Attaque Vienne. D'accord. Bon, c'est à peu près ce que je m'attendais. Un peu comme... comme réponse à Vienne. D'accord. Bon, bah on verra. Enfin, je regarderai ça après. Je rigole, je sais pas pourquoi je rigole. C'est pas drôle. Mais... Ok, bon nous on finit ça, nous on va sauver le monde déjà, ça va déjà être pas mal. Oh, on a perdu, on recommence. La caméra s'est mise n'importe comment, ça aide pas. Sinon ça avance, il te reste quoi à faire? Bah on a tous les masques. Du coup, en gros vous voulez au moins faire tous les masques, ça m'étonnerait qu'on fasse toutes les quêtes mais on va faire tous les masques. Et du coup là on a tous les masques sauf un. Et ils m'ont dit d'aller finir le jeu. Donc apparemment le prochain masque on l'aura à la fin du jeu. Apparemment, enfin je sais pas. Mais c'est ce que les viewers m'ont dit. Ah merde, j'étais pas allé du tout au bon endroit. Super. On recommence. Alors quel masque favori? Bah pour l'instant je les ai pas tous donc je peux pas te dire. Je pense que ça va être le dernier le meilleur, non? Ils me disent tous qu'il est trop jeté le dernier. Du coup après j'aime bien celui qui a pas de visage. Celui sans visage, celui pour danser. Et après niveau quête, faudrait que vous me dites, enfin ceux qui ont déjà fait le jeu, de me dire quelle quête serait cool à refaire. Enfin à faire. Rien à voir avec les masques, mais des quêtes à... Attendez qu'on a fait toutes les quêtes des masques. Les aliens. Mais tu foires, je l'ai fait les aliens. Et tu mates l'état de Malon. D'accord, il faut foirer. Et ben... Oh. D'accord, il faudrait aller tester ça. Dans cette mission, c'est dur de trouver les bons trous. Bah non, faut juste suivre les poissons. Là, juste, je fais fail tout à l'heure parce que je suis débile. Ça fait 40 fois qu'on le fait ce truc-là parce que je fail à chaque fois. Je fail à ce moment-là. Là, j'ai réussi, mais j'ai eu du bol parce que c'était un peu short. Et là, le dernier coup, on va rater parce que je rate tout le temps. Ah, raté. Non, 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 non. Ok. C'est actuellement, je pense, le truc le plus dark du jeu. D'accord, bah faut qu'on aille faire ça. On fera ça, on fera un live. En gros, j'aimerais bien faire un live où on regarde une vidéo un peu explicative de Majora's Mask de quelqu'un qui a dû faire une étude ou je sais pas, un petit peu théorie, tout ça du jeu. Et attendez, je me concentre pour ce truc-là. C'est raté. Eh bah non. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Et puis, essayer d'aller explorer en même temps ce qu'on voit dans la vidéo, aller voir dans le jeu en direct.
histoire de d'analyser un peu tout ça, super bien. J'ai beaucoup aimé le Sun Mask aussi. Enfin, la quête des amoureux, d'accord. Oh bah oui, elle est cool. Bah surtout, ouais, c'est stylé. L'espèce de micro-donjon, c'est pas vraiment un donjon, mais l'espèce de micro-truc à la fin, c'est vraiment cool. On l'a fait la première fois, parce que j'ai appuyé sur tous les boutons, ça a accéléré le truc. Elle est simple, hein, mais faut juste... Bah c'est comme dans Majora's Mask, hein. Tu fais tout une fois, et la deuxième fois, tu y arrives bien. Il faut... C'est la persévérance, Majora's Mask, je pense. C'est une ode à la persévérance. Tout est bien. Bah tout est bien, et aussi tout est rageant. Non, en vrai, là, il y a un truc qui m'a grave saoulé. C'est que j'étais obligé de... Là, j'ai dû tricher parce que sinon, fallait recommencer la lune. Parce que j'avais pas assez de missiles ténueux. Ils m'ont filé 10 missiles ténueux. J'ai niqué 10 missiles ténueux et j'ai pas pu faire le... la mission de... Que tu fais avec... où tu dois faire des combats avec Link. Pour le... Bah, celui avec le masque des combats. Parce que j'ai foiré les missiles ténueux, tous. Et tu peux pas en récupérer. Du coup, j'ai dû mettre un cheat code pour récupérer des missiles ténueux. En vrai, Majora's Mask est dur. Je crois qu'il est plus dur encore sur 64, du coup, non? Sur 3DS, il a été facilité. Mais rien que pour savoir où aller, je suis bien content qu'ils aient mis des trucs pour nous aider à nous dire où est-ce qu'il faut aller. Je vais rater encore. Putain, mais c'est pas possible. Je suis vraiment une... Je vais éclater cette manette. J'en ai ras le cul. Il y a déjà Persona 5 ou Nier Automata? Non. Genre Majora's Mask, Nintendo 64, JP et US sont différents, notamment en termes de nage. Ah ouais? Et du coup, la nage est mieux sur US ou pas? Parce que techniquement, la version US, elle est censée sortir après la version japonaise, non? Du coup, ils ont peut-être patché des trucs. Non, c'est pas possible. Plus facile USEU. D'accord, plus facile. Parce qu'après, la nage est plus... La nage, c'est un système de plus facile ou plus fluide? Enfin, plus facile à utiliser. Enfin... droite ou gauche? Gauche. Ce que tu peux pas faire en JP. Genre tu peux dive et faire de l'électricité sur US. On peut faire de l'électricité et choper les rebords. D'accord. Bah déjà, Zora, c'est en vrai... C'est chiant. Il y avait pas mal de trucs un peu chiants. Devoir faire les sauts plongeons là pour remonter, c'est un peu chiant en fait. C'est pas dur. Mais faut recommencer, puis tu perds de l'énergie, du coup tu dois re-recommencer, re-recommencer. Et ouais, en vrai... Mais ça, par contre, ça, on peut le faire, là. Foncer comme ça, sur la version JP. Non? Il en reste encore? Encore. Et dernier, on y arrive. Mais je pense que, ouais, la nage de 64 doit être encore pire que la 3DS. Bah, elle est pas compliquée. Elle est pas mal, je trouve, sur 3DS, le seul truc, c'est l'énergie, quoi. Enfin, faut savoir gérer l'énergie et c'est le truc le plus dur, en vrai. Mais j'ai encore raté. Mais ça me casse les couilles. 40 ans pour ce truc-là, là! Pardon, je m'énerve plus. Ça va très bien se passer. On y va tranquillement. On se concentre. Re, Nicornichon, rebonsoir. On y est presque, on est sur le bout du bout. Ok, j'ai eu du bol là. Ah oui, à chaque fois c'est le dernier, parce qu'ils font une pente en bas. Si c'était droit, peut-être que ce serait plus facile. Mais non, il y a une pente. Et si aussi, je suis trop nul. Alors, tranquillement, on avance. Ça, c'est du gameplay de qualité. Voilà. À chaque fois que j'arrive sur ton live, t'es en PLS en train de rager. Voilà, on a encore raté. Merci, Unicornichon. À chaque fois. Ça fait pas plaisir ce que tu me dis, Unicornichon. Allez, je l'ai déjà vu 40 fois, cette cinématique de 2 secondes, j'en ai pas besoin. Allez, à gauche, c'est parti. Voilà, ça se passe bien. Astuce, il faut faire le saut quand t'es dans les bulles.
Oui, ça j'ai vu ça. T'inquiète pas, j'avais compris, Samus. Ça, merci pour l'astuce, j'ai plutôt compris que c'était des bulles qui nous permettent de remonter plus facilement. Allez, go, go, go! Il est quelle heure là? Il est 23h47. Non, mais on va finir le live à minuit et demi encore. Parce qu'on va, on peut pas se garder le boss pour un autre live, hein. On est obligé de terminer. On est à deux doigts du boss. Oh, mais là c'était limite. Si c'était limite là, la prochaine ça va être plus que limite, on va rater. Classique. Bah aujourd'hui, désolé. Je voulais pas être insultant, t'inquiète. T'inquiète, je rigole. Bon, probabilité de réussite. 5%, à votre avis. Vous misez ou vous misez pas dessus là, pour la réussite? On a réussi! Je me souviens pas de ça, lol. Ah, peut-être que c'est que sur 3DS, je sais pas. C'est pour avoir tous les masques en fait. Enfin... Non! Non, non, non! Ok, on revient en arrière, on revient en arrière, on recommence, on va. Oh non, c'est refermé! On revient, on s'en fout, on se barre. On rattrape pas. Heureusement qu'ils nous permettent. Non! Mais non! Mais non! Mais c'est nul! Bon, on recommence, c'est pas grave, on va y arriver. Déteste ce jeu. Et bah, bonne nuit Zelkis, bonne nuit à toi. Et bah, fais de beaux rêves. Nous, on va faire des gros cauchemars sur ce jeu. Paix sur vous. Paix et amour. Yo, Shurubusko, comment vas-tu? Et t'arrives au bon moment, t'arrives au moment où on va réussir à terminer ce truc. Ce truc hyper fun et hyper amusant. Qu'on a recommencé à peine une fois ou deux. Go, go, go! Allez! On se concentre. Hop là. Ok. Bonsoir, Siolink. Bonsoir à toi. On a été trop lent. Crève. Bonsoir, Gardianaise. Bienvenue à toi, Gardianaise. Bon, là, on y arrive. C'est bon, je commence à maîtriser le truc. J'ai compris comment y arriver. En fait, faut être vraiment au bord du sol. Et après, faut mettre le stick analogique à fond. À partir de, genre, quelques secondes. Une demi-seconde avant d'arriver sur les bulles. J'ai à peu près... On va voir. On va voir si ce que je dis est vrai. On va bien au sol. On arrive sur les bulles. On monte. Et j'étais beaucoup trop tôt. Super, on recommence. J'ai raté. Il faut... Oh, sinon, je remonte pile poil à l'instant où on arrive sur les bulles. Plutôt que d'essayer d'anticiper. Mais 40 ans pour réussir à comprendre ça. Ça m'énerve. Let's go. Qu'est-ce que c'est fun. Je sais pas si c'est quoi le pire. C'était les Gorons ou ça. Mais c'est ça. Forcément, c'est ça le pire que les Gorons. Bon, je pense qu'on a failli y arriver du premier coup aussi. Et que là, au final, on y arrive au bout du 48e coup. Alors que ça fait deux... On l'a déjà réussi une fois en plus. Non, ça mousse après le boss. On va arrêter de jouer. Alors... 1, 2.
Salut Théo du 713, bienvenue à toi Théo. Allez, dernière manche. Force et cornichon à toi, F. T'y vas, unicornichon ? C'est passé. On retire le masque. On lui parle. Tu m'as trouvé. Je veux plus de masques. Je veux plus des masques. Ça. Vite. Plus de masques. Ça. Plus. Ça. On a fini. Merci, c'est gentil. On a fini les enfants. Vous avez ajouté un enfant ? Super. Puis-je te poser une question ? Ce qui est bien, c'est quoi ? Je me demande, si tu fais ce qui est bien, est-ce que ça va vraiment rendre les gens heureux ? Est-ce que si tu fais ce qui est bien, ça rend les gens heureux ? Pas forcément. Pas forcément. Les gens aiment bien être malheureux. C'est quoi la commande planning ? Attends, c'est quoi la question ? Qu'est-ce que fait la commande planning ? Elle donne le planning. Tu veux savoir quelle est la commande planning ? Bah c'est le planning. Planning, pour l'exclamation planning. Majora's Mask, on sauvegarde avant au cas où sauvegarder. Donc les gamins sont plus là, on a fait disparaître les gamins. Tout le monde est parti ? Voudrais-tu jouer avec moi ? Oui. Il ne te reste pas de masque à me donner ? Bon, on va trouver un truc à faire. On peut jouer aux gentils contre les méchants. Oui, super, jouons à ça. Vous obtenez le masque du dieu démon. Est-ce un masque de méchant ? Vous ressentez une incroyable puissance cachée qui en émane. Enfant masqué numéro 5. Vous avez joué les 4 enfants de la lune et l'enfant de Masque Jorah vous a donné le masque du dieu démon. Tu es prêt ? Tu seras le méchant. Les méchants ? Ils s'enfuient tout le temps. Ça te va ? Très bien. Bon. On joue ? Masque ? Alors, qu'avons-nous là ? Donc les 4 masques qui se mettent sur les 4 coins. Majora's Mask qui va s'activer ? Oui. Il s'allume. Attention, il va sortir. Il est sorti. Il se met à voler. Le masque de Majora. On lance une flèche de lumière, non ? Non, apparemment on n'a pas le droit à l'arc. On va demander à Taya. Souviens-toi de tes combats. Quand tu pouvais pas affronter ton ennemi de front, il te fallait trouver une autre angle d'attaque. Moi, je prendrais bien le masque de lui, là. Et on lui balance une bulle, non ? Non, c'est peut-être pas la bonne idée. On va peut-être reprendre ce masque-là. On va attendre qu'il attaque, peut-être. Ah, mais c'est trop fort, en fait ! Bon là on l'a éclaté. En fait on est méchant. On l'a éclaté. Zarfox dit le masque est juste OP. Oui c'est vrai qu'il est OP. Une limite plus rapide qu'un speedrunner là. Il suffit juste de l'enchaîner. Tac ! Incarnation de Majora !
C'est trop marrant. C'est vrai que ça, le jeu est pas pareil du coup. Oh. Ah, Link, il est... Ouais. Il est même pas minuit. Je me suis dit, on lance à 23h55. Et je me suis dit, bon, ça va peut-être durer un quart d'heure, 20 minutes. Non, non, non. 3 minutes, 2 minutes à peine. Bon. Eh ben, ok. On l'a éclaté. Alors, du coup. La lune. Ah, ça, ils ont sauvé le monde. Moi, je verrais des géants comme ça qui arrêteraient la lune. J'aurais quand même un petit peu peur aussi. Ils sont contents. Ils vont pouvoir faire la fête des pétards. La fête des... Je sais plus comment ça s'appelle. Les feux d'artifice. La cinglingla. Aube d'un nouveau jour. On est le quatrième jour, du coup. Waouh. Epona. Ah, il revient à lui. Oh, Skull Kid est là. Epona, Skull Kid, les fées. Exactement pareil qu'au début du jeu. Sauf que là, tout le monde a l'air sympa et il n'y a pas le Majora's Mask sur la tête de Skull Kid. Les gens au gros nez sont là. Les hommes nés. Kid. Les amis, vous ne l'aviez pas oublié. Je suis toujours votre copain. Les fraises géantes. Exactement, Guardian. Les grosses fraises. Skull Kid, c'est un enfant. Ou un épouvantail. C'est un épouvantail, non? C'est quoi ça? Qui a pris vie grâce à une fée, non? Un sortilège? Vous m'avez sauvé. Je pensais qu'il ne voulait... plus être mes amis. Mais ils ne m'ont pas oublié. C'est important d'avoir des amis. Tu veux bien être mon ami aussi? Epona, elle a eu peur. Elle a eu peur. Eh eh eh, tu as la même odeur que ce garçon avec sa fée qui m'avait appris une chanson dans les bois. Je sais, joue un jeu. Oh, alors l'esprit mauvais a quitté ce masque. Bien, je l'ai enfin récupéré. Je ne faisais que passer. C'est cool cette téléportation, il est malsain, j'aime bien. Je dois continuer mon voyage, adieu. Je crois que tu devrais rentrer chez toi aussi. Quand il y a une rencontre, il y a forcément une séparation. Mais une séparation ne dure pas éternellement. C'est le grand cycle de la vie. Elle peut être courte ou longue, c'est à toi de voir. Bon, sur ce, si vous voulez bien m'excuser, ma route est longue, mon chemin sinueux et mon périple ne peut attendre plus longtemps. C'est trop bien cette épée. Je sais pas si c'est normal,
Mais si c'est normal, c'est trop bien. Si c'est pas normal, c'est encore plus bien. Mais je remarque que tu as réussi à rendre le bonheur à beaucoup de gens ici. Les masques que tu as sont remplis de joie de vivre. Voilà une bonne chose, assurément. Là, il a une animation pour se retourner. Il est devenu invisible. Mais c'est qui, en fait? C'est qui? Il me faut une théorie sur lui. Il se TP et après, il devient invisible. Il disparaît. Il est trop... C'est trop ouf. J'aimerais bien savoir qui c'est, lui. Le vendeur de masques. Enfin, le collectionneur de masques ou le vendeur de masques. Bon ben, je crois que nous avons tous les deux ce que nous recherchions. Ça va être le moment de se séparer. Tu sais, je t'ai peut-être souvent cité crier dessus, mais on s'est bien amusé quand même. Bon, je crois que le carnaval va enfin commencer. Pourquoi tu ne t'en vas pas t'occuper de tes affaires? Nous avons un carnaval à fêter. Allez, Link. Pars pour d'autres aventures. Exelo! Merci pour tout. Musique à fond. J'ai lu le manga de Zelda Majora's Mask, on n'a pas trop d'infos, juste à la fin, Link dit juste au vendeur de masques, pars et ne reviens jamais, démon. Ou quelque chose comme ça. D'accord. Link, il dit ça? Ça a été écrit par qui, le manga de Majora's Mask? Meilleur Zelda, à mon avis. Non, le manga n'est pas canon. Ouais, il a... Oh, ça bug. C'est con, la cinématique de fin, elle a des freezes. C'était trop bien. T'as vu comment... Bah... J'ai donné envie de creuser un peu plus. Et donc, ce qu'on va faire, on va se refaire un live la semaine prochaine. On va regarder des vidéos de Captain Hype ou je ne sais quoi. Je pense que ce sera Captain Hype. Bah, n'hésitez pas à me proposer en allant sur le Discord. Je vais ouvrir un salon Majora's Mask. Et on va en discuter. Envoyez-moi des vidéos que vous trouvez bonnes. Et on regardera ça en direct, en live. Et on ira vérifier ça en même temps sur... comment ça s'appelle ? Il y a déjà un salon Majora's Mask. N'hésitez pas à envoyer des vidéos qui expliquent des théories dessus. Et on prendra les meilleures vidéos, celles qui auront plus de votes. Et on ira regarder ça ensemble et on ira vérifier ça en essayant de... Bah, vu qu'on a le jeu sous les mains, on a tous les masques, on pourra aller vérifier certaines choses. Et juste histoire de... Bah, histoire de creuser un petit peu plus profondément dans la beauté de ce jeu et dans toute la profondeur qu'il nous offre. Si ça vous... Moi, ça, j'aimerais bien tester un truc comme ça. Peut-être qu'on le fera pas pendant 6 heures, mais peut-être pendant 1 heure ou 2, ou peut-être 3, on verra. Mais lundi prochain, je pense qu'on risque de faire ça. Bonne idée, nous dit Trappy. Celles de Captain Hype sont des valeurs sûres. Bah ouais, je sais. Bah, c'est pas que je sais, c'est que Captain Hype, c'est le seul que je connais, parce que je regarde pas trop les théories de quoi que ce soit. Les deux personnes que je connais qui regardent les théories que je connais parce que j'ai fait une émission avec eux, c'est Captain Hype et Rinkuto. Mais bon, Rinkuto, lui, je crois pas qu'il fasse du Majora's Mask. Enfin, en tout cas, j'ai jamais vu de vidéo de Majora's Mask de lui. Et que... Captain Hype, par contre, je sais qu'il a produit 3 vidéos dessus, je crois. Sur Majora's Mask, j'ai cru voir ça. Et j'irai bien voir ses vidéos. Attends, Captain Hype, Majora. Il a fait ça en 3 vidéos, le temps, le deuil, les masques. 3 vidéos de 30 minutes. Ah bah déjà, ça va me faire un live assez long en vrai.
Moi j'y vais. Eh bah salut Samus. Bon, en attendant, je vais vous préparer le raid. Donc je vais regarder qui est-ce qui stream. C'est dommage, j'ai l'impression que Unicornichon ne stream pas, donc on va pas pouvoir le raid. Mais on ira peut-être raid quelqu'un d'autre. On a Eraxis qui stream Skyward Sword. Ça vous dit d'aller voir on va aller voir Eraxis. Je pense qu'on va aller, raid Eraxis. Bon, je regarde s'il stream vraiment. Ouais, il joue. Il est en train de... Il fait du rando. Ça fait 37 000 qu'il a commencé. Je sais pas combien de temps ça dure, ces runs, mais je pense que ça peut être cool. Donc on va aller voir Eraxis. Et je suis trop pressé que tu découvres Skyward Sword. Bah, Skyward Sword, je pense qu'on va attendre les 35 ans qui risquent d'arriver dans 3 mois. C'est quand les 35 ans de Zelda? 35 ans de Zelda. Et ça se trouve, si c'est pas pendant les 35 ans, si on n'a pas de nouvelle version de Skyward Sword aux 35 ans, je le ferai quand même en installant un émulateur de Wii, en mettant un émulateur de Wii Motion Plus, tout ça. On verra comment mettre ça en place. 21 février 2021. Le 21 février. Donc il y a encore 4 mois. Dans 4 mois, peut-être qu'on fera du Skyward Sword. Après Skyward Sword, ça risque d'être chiant parce qu'il y aura du spoil de ouf. Mais on verra. S'il y a du spoil de ouf, de toute façon, dans 4 mois, ça se trouve, le stream, ce sera différent. Je sais pas. Je sais pas où je serai dans 4 mois. Je suis flatté que tu aies pensé à moi. Bah ouais, mais bah. T'es flatté, mais bon, tu stream pas. On va aller voir. Eraxis. Je vous mets le message de raid, ça va être GLHF, tout simplement. Et. Je lance le raid vers Eraxis. La cinématique de... Là, on arrive dans la forêt. Bah, Link, il continue. Donc là, c'est la suite, à votre avis? Il arrive où, Link? Il arrive là. Ok. Il y avait de la lumière. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah. Ah. C'est Link à gauche, donc c'est Skull Kid qui aurait dessiné ça. Bah parfait. Eh bien, on va se quitter sur ce générique de fin. J'espère que ce live vous a plu. On va aller voir Eraxis qui joue à Skyward Sword en randomiseur. Du coup, randomiseur, c'est que en gros, les coffres, il y a certains trucs qui arrivent de façon aléatoire dans le jeu, donc ça peut être les coffres, ça peut être d'autres choses. Je sais pas comment c'est géré, si c'est une version, une ROMAC ou pas. J'ai l'impression que c'est peut-être pas une ROMAC. Je sais pas s'il aura l'envie de vous expliquer ce que c'est, mais je pense que oui, je sais pas. Vous pourrez lui demander exactement ce que ça change la rando. Et par contre, parce que moi je la connais pas. Donc pour l'instant, il est à 20. Il est à combien de temps? Il est à 40 minutes de live. Ah non, de run. Ça run, il a 40 minutes de jeu. Donc là, il a commencé à avoir des objets. Il a les bombes. Il a d'autres items que je ne connais pas. Du coup, je vais vous laisser avec lui. Je vous prépare le raid. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis. À demain, 18h pour Half-Life 2. On va découvrir Half-Life 2 demain. J'espère que ça va vous plaire. Non, mais même pas. Moi, je sais que ça va me plaire. Ça va être incroyable, Half-Life 2 et Eraxis. Et sinon, je vous fais des gros bisous. Et je vous souhaite une bonne nuit, ceux qui vont se coucher. Et les Québécois qui nous écoutent, je vous souhaite une bonne soirée à vous. Et s'il y a des gens dans d'autres pays qui ont d'autres fuseaux horaires, je vous souhaite une bonne matinée, une bonne après-midi ou je ne sais quoi. Allez, bye bye.